Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour un nouvel unboxing aujourd'hui du Yu-Gi-Oh! Et pas n'importe quoi, la Tin Box 2017 Kaiba. Donc voilà, j'ai pas la date de sortie, mais c'est à la fin du mois d'août. Je sais plus exactement quand, ça doit être aux alentours du 25, quelque chose comme ça, 24, 25, peut-être un petit peu avant, 23, quelque chose, la semaine-là du coup. Tout comme vous aurez la semaine prochaine l'unboxing d'un TD que j'ai pas précisé la date de sortie, mais que vous aurez en description dans la description de la vidéo, tout simplement. Voilà. Donc, on va regarder un peu ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de cette tin box. Donc, toujours aux couleurs de Kaiba, vous commencez à me connaître. C'est la deuxième ou troisième avec Kaiba que je vous montre. Top. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Donc, on va avoir le petit paquet de promos habituel avec quelques cartes communes aux deux Team Box, parce qu'il y a une Team Box Yugi qui va sortir en même temps, et des cartes qui sont du coup exclusives. Donc, ici, on va avoir le dragon blanc aux yeux bleus dans un artwork que je qualifierais de dégueulasse. Clairement, c'est pas le meilleur artwork de machin. Ensuite, vous allez avoir une carte monstre lien, le dragon proxy. Peau des désirs, le numéro 68, prison céleste, Sanafon. Ents, ancienne entité, désolé pour le micro, mais voilà. Et un jeton du swag, Kaiba, bien sûr. Voilà, donc c'est celui que vous avez sur le couvercle de la Tin Box, mais ça fait toujours plaisir, et du coup vous avez un Yugi un dans l'autre, et vous avez un magicien sombre à la place du dragon blanc aux yeux bleus. Donc je vais essayer de mettre ça dans un coin, histoire de se rappeler au bon souvenir. Tout à l'heure. Je détaille pas les effets parce que sinon ça sera vraiment chiant. Donc, dans cette team box, donc tiens, je vais enlever le vieux truc noir dégueulasse. Ça permettra de faire un peu de place. Et je vais mettre la boîte ici. Voilà. Donc, ça, on s'en débarrasse. On va avoir un, deux, trois paquets de la tin box. Donc dedans il y a 16 cartes par paquet, donc je vais empiler les 3 top pour qu'on puisse voir. Et donc on va ouvrir le premier. Donc, vous me connaissez, même si c'est des boosters un peu spéciaux qui sont pas forcément beaux, je vais tout faire pour essayer d'en garder un intact, et c'est parfait. Voilà, top, je vais le mettre au-dessus. Donc dedans, tapis un gonfleur pot artiste, donc il y aura du pot artiste contre métalphose. Donc on doit avoir un archétype métalphose, aile noire, tornade du retournement, donc du aile noire, c'est sympathique. Guircancre, donc du guir, Gongosha pot artiste, donc du pot artiste. Dédé savant Nicolas, du Dédé. Nadamante, Métalphose, une carte du coup. Rapierre du Zodiaque, donc putain, du Zodiaque encore. Pure épée du Zodiaque, encore. Cyclone cosmique, payer 1000 points de vie. Venir, oh, c'est pas terrible. Pointe Alphonse super quantique, c'est pourquoi ça. Ça va être pour un archétype super quantique. Un archétype Cypher, ça c'est cool, mais celui-ci je l'ai déjà. Portail d'invocation. Anguifoque, pote artiste. Voilà. Retour bête spirituel, donc du spirituel. Et Prigome vitesse roïde, donc du vitesse roïde. Top, on va le mettre par là. Donc il y a quand même quelques raretés. Hein. Je sais plus combien du coup. Il y a une super rare, une ultra rare, des rares, et puis voilà, il y a pas mal de. Donc, vas-y. Base robot bureau, donc du robot bureau. Miracle X6, donc voilà. Dragon dièse, le guerrier éveillé. Ça va être pour les monstres guerriers ou magiciens, d'accord.
Derrick Crane, train de frais lourd. C'est pas d'archétype particulier. Encore un tapis à gonfleur pétardiste. Insecte d'urgence. Ok. Plaque de fusion. Oh, ça aurait été cool, ça, dans les... ça fait bien ce que je crois. Tu cibles un monstre que l'on peut contrôler, révéler un monstre de fusion dans votre deck. Si vous le faites, le nom du monstre ciblé peut être traité comme celui du monstre de fusion. C'est utilisé pour... What? Mouf. Fusion métamorphose. Ça va être pour du métamorphose. Donc j'en ai rien à pète. Trapvan. Ça n'a rien de particulier. Taureau H du Zodiaque. Donc, super, quoi. Apprenti joueur de flûte. La change-rafe potartiste. Ebo seigneur de la rivière. Potentiel cristallique. Donc c'est pour du cristron. Je commence à avoir un peu de bordel. Et hop, Cypher et Dino Couture. Du coup, ça va être un peu le bordel. Voilà. Et du coup, il nous reste le dernier booster à ouvrir. Donc, on commence avec une carte piège, l'arme gracieuse. Ensuite, animal féerique, blanche. C'est mignon, ça. Papillon au cœur, insecte numérique. Oui. Forge du véritable Dracos. D'accord. Protecteur rouge, Ryu Okami. Ok. Alors, même moi, j'arrive pas à lire là parce que il y a les reflets. Mega Dogoran, super machine de guerre anti-kaiju. Paye le nom à rallonge. Métamorphomation, ça va être pour Metalfose. Esprit du dragon blanc. Cette carte est traitée comme une carte yeux bleus, est traitée comme un monstre normal. Dans la main au cimetière, invoqué normalement spécialement. Bref, je vais lire les effets pour moi plus tard. Virus force maximum, Moriège cristron, j'avais du cristron qui aurait juste là. Quarantaine. Eldopia paléozoïque, entrée Cristron, Hallucigena paléozoïque et main requête. Donc voilà pour le contenu de cette inbox Gaïba. Alors je suis un peu déçu parce que je n'ai pas eu ce que je voulais en cipher, mais c'est pas grave. Et donc il y aura pas mal de cartes qui seront à l'échange, notamment les Zodiacs ou à la vente, notamment parce que moi je joue plus trop à Yuli, part pour récupérer peut-être du cipher. Et du coup, s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Par contre, regardez bien les prix sur eBay ou quoi que ce soit, parce que clairement, vous n'allez pas me proposer 5 euros pour une carte qui en vaut 25, comme j'avais eu la dernière fois en commentaire sur une vidéo Yugi. Bonne soirée, bonne journée à tous. Je vous laisse, on se retrouve pour de prochaines vidéos. La semaine prochaine pour un unboxing d'un TD, d'un autre jeu de cartes. Du coup, n'hésitez pas à suivre l'actu sur ma page Facebook en description de la vidéo ou en vous abonnant à ma chaîne. Ciao, à plus!